Donc on est le 9 juin. On part pour le territoire de Belfort à Vézelois pour voir la 15e concentration des motards franc-comtois. Donc là, on est dans la circulation comme d'habitude. Il est 17h50. Bon, ça commence seulement à rouler là. On a mis 1h40 pour sortir de Paris. Ça galère. Bon, c'est maman qui conduit. Eh oui. Ça va faire? Un peu, mais bon. Super rassurant. Papa, il préfère se cacher les yeux parce qu'il a peur aussi. Et les chiens là, on se concentrer sur la route. Bon, il fait presque nuit, toujours en train de conduire, ça marche. Tu tiens la coupe. On est censé arriver dans 16 minutes. Des pêcheurs avec hein, si. Hein si. Mais c'est pas grave, on va tout loin. Bon, on est arrivé là. Oh là 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 là. Arrête. Non, Marco, viens. Ouais, bah attends, je sais pas. Bon, bah là, on cherche un petit endroit pour dormir. Prenez la première à droite. Là. Donc, normalement, c'est au bord de, de l'étang. La Loire. Ouais. Interdit aux voitures. On n'est pas des voitures. Non, mais. Ben non, mais vas-y. Elle n'a pas le droit, tu vois bien. Mais essaye quand même, il y a des voitures là-bas. Non, mais t'es sûr qu'il y a. Oui, oui. C'était marqué camping-car, machin. Non, c'est marqué un coin, je sais pas quoi. Plein air. Canal, ouais. Rentrée, Champagne et Bourgogne. Bon, on a trouvé un coin. C'est pas terrible parce qu'on s'enlise, mais bon. Tant pis, hein. Il est déjà... Quelle heure il est, Cynthia? 23h, je crois. Hein. Donc, je crois qu'on va rester là. Hein. Ouais, c'est bon, là, Cine. Cine. Attends, mes lunettes... Ah, mes lumières, boîte de nuit. Bonne nuit. Bonne nuit. Bon alors, il est quelle heure, Cynthia? Il doit être 7h. 7h, en fait, depuis 4h, ta petite tchétchène, elle nous a... saoulée. Je crois bien. Elle a passé par la fenêtre. Et ça fait que, ben là, maintenant, on n'a plus de gaz. On est levé depuis 6h. Enfin, depuis 4h, mais on s'est levé à 6h. Il n'y a plus de gaz, mais il y a la télé. C'est déjà ça. On s'est arrêté hier soir sur cette terre, parce que c'est un parking ou quoi. C'est Alicourt, je crois. Je vérifierai, je le noterai. En fait, c'est pas terrible parce qu'on entend les voitures là toute la nuit. Mais je sais pas si c'est vraiment une place de parking en fait. Je crois qu'on n'a même pas le droit d'y aller en fait.
Allez, ça y est, c'est reparti. On a 3h30 de route avant d'arriver, donc ça va être d'être fort. Cynthia, t'as été chercher le pain en pyjama? Ouais, c'était mon gage. D'accord. Ça s'appelle comment ça? Je sais pas. Bon, bah on est arrivé au fort de Vezelois pour la 15e concentration de motards. Donc on va voir ce que ça va donner. Il y en a là-bas qui arrivent. Et on va là. L'autre il arrive avec sa voiture tranquille. Ouais, allô. Non, non, mais excuse-moi. Quand tu changes de côté, ça change. C'est une concentration. Ils sont pas capables du tout. Never again.
Oui, j'ai vu ça. Je me demandais ce que c'était. Ouais, mais c'est un peu. On va jusqu'au bout ? Vas-y. Non. Même genre que ça, ici, perdu ici.
1,6 km, tournez à droite. Bon, là, on est à la Citadelle, à Belfort. Ah, il y a le lion de Bartholdi.
Donc on est sur l'aire de camping-car gratuit à Belfort. Donc on fait les vidanges et le plein d'eau. Donc on s'est arrêté à Ronchamp. À Ronchon ? Non, Ronchamp. Voilà. Donc en fait, c'est un parking. Mais je crois qu'il y a une chapelle là-bas ou un couvent. Et c'est pour ça qu'il y a tout le monde. Mais avec un peu de chance, après, ils vont partir. Donc Cynthia nous a ramené une spécialité en allant chercher le pain en pyjama. Mais elle se rappelle plus ce que c'est. Non. Bon. C'est de la fougasse. Enfin, je sais pas. Bon, en fait, c'est ouais, ça doit être encore du pain, du fromage ça. Comme partout avec et des lardons. Voilà. Se réveiller au son des cloches.
Donc hier, on est arrivé sur le parking de Ranchamp. Donc c'est à côté d'un couvent et d'une église. Et quand on est arrivé, il y avait plein de monde parce qu'il y avait une chorale. Donc là, on a eu du mal un peu à se garer, on a fait un peu le tour. Et comme on n'avait pas de signal pour la télé, on s'est retrouvé là. Au début, on était là-bas. Il y en a une qui est au soleil et une à l'ombre. Et une dans la salle de bain. Pour le moment, je ne suis pas à poil. Hein. Bon, on enlève les tiques là parce putain, que. Elle essaie de rentrer dedans en plus. Eh, je vais lui enlever avec le long là. Non ? T'en as plus toi, ma fifi ? Un endroit pour manger là. J'avoue qu'on va bien tomber. Donc on s'est arrêté sur l'aire de Richard Ménil. C'est une aire de camping-car gratuite. Aussi bien les services que le stationnement. Bon ben, ils ont vu les... Bon, bah on a changé de producteur, c'est Cynthia qui conduit et Marco qui va avoir mal au cœur. Pas mal au cœur. Ouais, ouais. Bon, bah là on est dans les embouteillages, on retourne comme d'habitude. Il y a toujours des embouteillages. On est resté dans la campagne.